Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Donc au programme aujourd'hui, il y a deux brocantes, une de 150 exposants et une autre de 300. Donc on va essayer de faire un petit coup de poker, on va essayer de mettre de côté la 300 exposants et on va essayer de faire un coup de poker, comme je vous dis, à 150 en espérant que tous les racheteurs, brocanteurs aillent à la 300 qui est complète. Et moi, je vais filer à la 150. Donc place aux images, place au générique comme d'habitude, et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour le compte rendu. Allez, c'est parti les amis. Vous savez s'il fonctionne? Ah oui, oui. Oui. Ah oui, oui. Les manettes, oui. Ah, vous avez pas, l'alimentation, vous l'avez pas prise à tout à l'heure? Non. Je crois qu'à mon avis, c'est les gosses qui ont dû mettre ça là-dedans. Ouais, c'est que ça. Il manque l'alimentation les pour. Et justement, qu'il manque la petite alimentation qui est juste ici. Bonjour, excusez-moi, une petite question, vous les vendez combien les DVD, les jeux? Les jeux sont pas dedans, ils sont. C'est lesquels? Il y a un peu de jeux là et puis il y a des jeux de Switch. Là, les jeux de Switch, ils sont. On les a, c'est juste qu'on les a rangés, on les a enlevés de la boîte. Vous avez bien raison. Ah bah il y a certains. Il y en a, il y a des prix, voilà. D'accord, ok. Bon bah super. Je sais pas si tu veux baisser le prix, je vais. T'as dit tu veux faire liquidation, bah fais liquidation. Hop. Là, t'as tout enlevé de la voiture, chien. Pardon, excusez-moi, je vous gêne peut-être. Non. Bonjour, vous les vendez combien les jeux? Ça dépend. D'accord. Bah, les jeux PS3, pardon. 3 euros, 5 euros. D'accord. Les jeux PS4 aussi. Ok. Et il y en a d'autres en dessous, non? Non, c'est. Et les consoles, vous les vendez combien? 20 euros. 5 euros, donc. D'accord. Vous savez s'ils fonctionnent? Dernière nouvelle, ça fonctionnait, mais je crois que la fille, elle a du mal à lire les jeux. D'accord, pour les deux? Oui, oui. Ok. Tu vas vendre aussi ce truc? C'est quoi ça, là?
Je vais pas dire que tu mets juste une terre. Ouais. Parce que je sais. On a été volé aussi, nous aussi, pareil. Ça dépend. Ça dépend, monsieur. Ils sont pas à la matrice. Non, pas du tout. On va se passer ici. Quelqu'un, on veut pas trop derrière. Vous vendez combien les jeux? Le jeu PS5 il est à 30 euros. 30 euros, d'accord. Et le Xbox il est à combien? De poser la voiture. Je crois que il y en avait deux qui étaient à 10 euros, mais sinon c'était 5 euros pièce, mais je suis pas du tout sûr. Et les accessoires, c'est vendu comment? C'est le lot, c'est... Je vous conseille de revenir dans 10 minutes quand on va venir. Ah. Franchement. Et je pense, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais faire engueuler. Désolé. J'ai des jeux Game Boy que je sortirai plus tard, mais c'est pareil, ça va pas vous plaire. Ouais, c'est... Et donc c'est parti les amis pour ce compte rendu, et comme je vous dis, clairement c'est ma meilleure brocante de ma vie, voilà, et clairement voilà, hors vidéo, YouTube ou choses comme ça, je me suis jamais autant fait plaisir, voilà, et vraiment que des consoles, j'ai 7 consoles à vous montrer, donc et plein de petites choses à côté, donc on va pas perdre de temps, on commence tout de suite, et pensez à vos abonnés, parce que c'est le moment, parce que ce retour est vraiment incroyable. Donc pour 1 euro, je rentre une petite peluche Pikachu, donc franchement hyper cool, en mode un peu sac à dos, donc ça ira dans la petite déco, dans la chambre du fiston, donc franchement hyper sympathique. On continue, je vais vous montrer un sacré lot, mais je vous dirai que le prix à la fin. Mais juste avant de montrer ça, j'ai oublié, très rapide, petit lot de Bakugan, voilà, pour les enfants, voilà, avec plein de Bakugan. Ça fait plaisir, on monte ça vite fait, parce que ça fait toujours plaisir, il y a toujours des collectionneurs de jouets, donc je l'ai eu pour 2 euros, et il y a à peu près une quinzaine de Bakugan dedans, pareil, le fiston sera content, j'ai trouvé aussi une petite tablette VTEC pour ma fille, mais ça je ne vous le montre pas, mais voilà, pour l'anecdote, c'est toujours sympathique, on a trouvé des choses pour la famille, j'ai récupéré aussi pour 7 euros un petit coffret Walking Dead, donc la saison 1 à 5, voilà. Pour ma part, c'est les meilleures saisons. Voilà. Après, je pense que j'ai commencé à laisser un peu tomber. Dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup à partir de la saison 6, encore une fois. Voilà. Mais en termes de Blu-ray, franchement, un coffret DVD Blu-ray. Voilà, comme vous voyez, franchement, c'est hyper sympa de trouver ça. Et pareil, 7 euros les 5 saisons. Cette fois-ci, je vais vous montrer le lot énorme que j'ai récupéré. Il y a deux consoles. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 4 consoles. Donc on va commencer par la PSP, voilà, comme vous voyez. Donc les boutons fonctionnent, ça fonctionne. Le seul bémol, il n'y a pas de batterie. Donc je sais que j'en ai une ou deux à la maison, donc on va tester ça. Toutes les consoles que je vais vous montrer, voilà, il y a un petit pari quand même dessus, parce que l'ensemble où il manque bah, soit câble d'alimentation ou cache le câble HDMI. Mais bon, vous savez qu'en termes de collection,
Je pense qu'on peut récupérer des câbles et on va tester ça tout de suite en rentrant. Donc dites-moi en commentaire si une petite vidéo crash test ça vous intéresse. Donc je vous mettrai peut-être ici juste le mot fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. On touche du bois que tout fonctionne. Donc dans ce premier lot, j'ai récupéré une PS3, voilà, slim, donc modèle 300 304. Donc comme vous voyez, il y a pas toutes de première fraîcheur. Donc il y en a une là. J'ai pu récupérer dans le lot aussi une deuxième. Voilà. Donc celle-ci par contre a beaucoup de poussière. Voilà. Donc à nettoyer. Et voilà, comme je veux dire, je vous montre. Voilà. Hop. On va poser ça tranquille pour ne pas essayer de rayer la voiture. Donc de PS3. Une PS2 FAT avec deux cartes mémoire. Donc pareil, voir s'il y a des surprises du chef. Je crois que le vendeur m'a dit dans une des deux PS3, il y avait le GTA 5. Donc soit en CD ou soit en téléchargement. Donc on va voir si ça fonctionne. J'espère, comme je dis, ça serait vraiment banco. Donc ça, et puis forcément quand même, voilà le petit sac qui est derrière. J'ai, pour dire pas de bêtises, 7 manettes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer, je ne vais pas vous cacher. Hein. Pas de toute fraîcheur, certaines. Voilà. Mais bon, le seul petit point positif, c'est que j'ai une petite manette grise. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Alors malheureusement, pareil, l'état, elle est vraiment 5 sur 10, clairement. Il y a des bandes de couleurs, mais une petite grise, ça fait du plaisir parce que je ne l'avais pas dans la collection. Donc en espérant qu'elle fonctionne aussi. Et le petit plus aussi qu'il y a, c'est ça, mais pareil, il est dans un état pitoyable. C'est un petit écouteur Sony, voilà, qu'on joue en réseau à l'époque. Donc voilà, c'est un petit bonus. Donc comme je dis, j'ai 7 manettes PS3 plus les deux PlayStation 3, PSP, PS2, et j'ai payé le lot 25 €. Donc en gros, ça fait à peu près du 5 € par moyenne par console, plus 5 € en gros tout le lot de manettes et quelques câbles. Donc franchement, si ça fonctionne, c'est la petite surprise du chef, et franchement ça ferait plaisir. Donc encore une fois, je vous montrerai peut-être ici en mot si ça fonctionne, ou je vous ferai peut-être une vidéo crash test. Ça, je l'ai jamais fait sur cette chaîne, donc pourquoi pas, ça serait le meilleur moment de le faire. Alors, et cette partie, maintenant on va encore monter d'un étage. J'ai récupéré un petit lot, comme vous voyez, hop, on va pas vous cacher, hop, marqué 20 € le lot. Mais vous allez me dire quoi, ça ressemble à une petite boîte de Switch. Eh bien, c'est une Switch, pas complètement. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Il y a à l'intérieur, hop là, c'est tombé, les petits accessoires pour les Joy-Con. Un dock, malheureusement le dock n'est pas complet, donc il manque le HDMI et l'alimentation. Mais la petite bonus, c'est des Joy-Con rouges. Donc franchement, avec l'édition Mario qui sort bientôt, je pense que c'est cette période là qui était sortie, justement les Joy-Con rouges. Dites moi en commentaire si je me trompe pas. Dessus, je vois pas forcément d'annotation particulière en termes de Mario, mais franchement hyper cool de le rentrer. Voilà, on va voir, on testera tout ça. Et j'ai payé le lot. Voilà, point précis, hop, il est tombé, je verrai ça après, c'est pas grave. C'était marqué 20 €, j'ai fait en trop de transparence, j'ai fait une petite proposition à 12. Et la personne m'a dit, si vous voulez, hop, allez-y. Ça me rembourse directement le stand, et franchement, c'est tant mieux. Et bah, on donne les billets, et on dit, on espère qu'on croise les doigts, que tout fonctionne. Et on dit, bravo, et merci beaucoup, tout simplement. Et ma surprise, c'était incroyable. Je cherchais une nouvelle Switch parce que j'ai revendu ma première édition pour m'acheter la Zelda, comme vous le savez peut-être, comme je l'avais dit. Et puis, 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, je récupère une Switch, tout simplement. Donc, une Switch. Alors, comme vous voyez, je crois qu'il y a ici un film protecteur, parce que ici, vous voyez, si on voit pas l'écran, il y a une petite fissure. Alors, je sais pas si c'est... si c'est un verre trempé qui est fissuré ou l'écran. Malheureusement, elle n'est pas chargée. Les boutons fonctionnent nickel. Elle se détache parfaitement. J'ai demandé
à la personne, encore une fois, s'il y avait des problèmes au niveau de la console, elle m'a dit non, tout simplement. C'est qu'il l'avait acheté d'occasion pour les vacances et qu'il revendait, tout simplement. Alors, pourquoi 30 euros? Voilà, je ne savais pas si je vous le dis le prix, mais je vous le dis maintenant. 30 euros, la console, la Switch. Donc, pour le coup, elle marche bien. Il n'y a pas de carte mémoire. Il y a bien le petit bitonio. Le lecteur s'ouvre bien. Quand j'ai regardé, il n'y a rien de particulier. Il y a juste, pareil, en toute transparence, là, des petites casses. Donc, on voit qu'elle a été utilisée par des enfants. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de la charger en rentrant. Pareil, je vous mettrai ici un petit message comme quoi ça fonctionne. Mais pour le coup, quand vous voyez 30 euros ça et 12 ça, c'est-à-dire pratiquement une Switch complète pour 42 euros. Voilà. On dit bravo, merci. Et puis, on espère qu'elle fonctionne. Voilà, tout simplement. Franchement, hyper content. Je crois que... Voilà, déjà que juste le lot PS3, c'était extraordinaire. Mais... avec la Switch, c'est encore mieux. Et on va finir encore en apothéose, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre. Tout simplement, bah, je vous montre. Hop, deux Game & Watch. Et oui, j'en ai jamais vu de ma vie en brocante. Et là, pour le coup, j'ai une chance incroyable. J'en ai deux qui rentrent avec cache-pile. Alors malheureusement, les piles à l'intérieur sont HS. D'après le vendeur, ils fonctionnent. On verra bien. Mais franchement, hyper content parce que c'est la première fois. En transparence, encore une fois, je suis pas amateur de Game & Watch, donc je pense sûrement revendre celle-ci. La collection Mario, peut-être je vais garder celle-ci, mais encore une fois, c'est faut faire des choix. Ça va sponsoriser plein de choses, mais vraiment très content. Voilà, de Game & Watch, Super Mario et le Bomb Sweeper. Voilà, si je prononce bien, donc franchement, incroyable de trouver ça encore en 2023. Allez les amis, c'était tout. Un bon compte-rendu pratiquement de 10 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de Vide-Grenier Live. Comme je vous dis, la meilleure de ma vie. C'est le moment de vous abonner. Voilà, l'objectif de mois de septembre, c'est d'arriver aux 1000 abonnés. Franchement, ça serait un honneur et j'espère que vous aimez suivre cette chaîne. Donc, c'est le moment. Abonnez-vous, lâchez le petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez récupéré, vous, dans les dernières brocantes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les amis. C'était DJ Gamer et bon courage. Ciao.